Martyr, c'est un film qui joue sur les archétypes de cinéma fantastique, qui joue sur les attentes du spectateur et la connaissance que le spectateur a de ce genre-là, pour essayer de l'entraîner régulièrement dans une direction à laquelle le spectateur ne s'attend pas. C'est vraiment le principe du film. Ça me permet à la fois d'écrire un film relativement classique, un suspense d'horreur classique, et à la fois, à chaque fois qu'on croit que comprendre dans quel registre de cinéma on est, j'essaye d'aller vers d'autres directions. Dans l'idée, ça me permet de faire un film singulier et particulier. Non, mais de toute façon, elle ne peut pas se prendre des pieds nus. Non, ça va, elle. Non, mais de toute façon, je n'ai pas le choix, je ne peux pas te laisser marcher pieds nus. C'est une loi de ton syndicat. Tu dois toujours avoir les pieds protégés. Quand tu marches sur un plateau, c'est pas sécuritaire. Jacques ? Oui ? Ouais, voilà. Tu la suis, tu peux aller dans la suivante. Elle va faire une série de mouvements, d'accord, tu peux y aller, qui correspondent un peu à ce qu'elle prend dans le film. Et puis voilà. L'image est prête ? Oui, ça s'appelle tu es prête ? Ouais. On y va. Et tu la suis, hein, tu chopes. Oui, oui, moi je vais y aller, je vais donner du détail. Voilà, voilà. Ils sont dans ? Matin. Action. Tu vois, tout ça, c'est super beau. Pareil sur le dos. Plie-le dans l'autre sens, ton dos aussi. Voilà, comme ça, voilà, comme ça. Voilà, crispe-toi comme ça. Tire tes bras, tends tes bras comme ça en gardant ton dos. Voilà. Voilà. C'est beaucoup fait, merci. Merci. FX Power. 27 sur 2, deuxième, caméra A et B. Top. Lance partout, s'il vous plaît. Cadré. Cadré. Action Robert. Action Robert. 1, 2, 3. Coupé. Coupé, on bouge à rien. Personne ne bouge. On n'a pas fêté tant que ça le temps. Hein. Okay. Attention, les amis, on y va. Stéphane, faut juste déplacer toute la structure. Ouais. Non mais pour ce plan-là, on ne voit pas l'escalier, on a l'air de matelas. Donc, on a ça. Là sur une scène comme ça on fait aucun ralenti, on n'est pas du tout show off quoi, au niveau de la mise en scène, c'est vraiment super réaliste, on doit être dedans. Faut pas que ça devienne graphique quoi, faut pas que ça devienne chorégraphique, c'est vraiment un massacre assez sale, assez. C'est pas du tout l'idée de faire une chorégraphie à la Sergio Leone ou Santé qui ne passe pas ça. L'idée. C'est pas le western. Hein ? Non, c'est pas le western. Pas vraiment. On a fait quelques plans de western ce matin, mais c'est pas un. Non. Puis le spectateur a à peine le temps de digérer cette scène assez étonnante qui arrive, à laquelle il s'attend pas. On peut pas tout de suite lui faire prendre de la distance avec ce qu'il regarde. Genre, ça n'est qu'un film, il y a du ralenti. Quoi, tu vois. C'est vraiment. Yeah, on est straight.
On bouge pas, on bouge pas. Attention, arrête. Max, ça va? Ça va, le casque de fait? Nadine, est-ce que ça va? Kaël, est-ce que ça va? Qu'est-ce que ça va? Ouais. Donc on desquibe la Nous, on est prêts pour ça. Allez, ah ben on tourne. Alors, les amis, elle est desquibée. Ok, ok. Tournons, soyons fous. Et en plus, on aura la référence. Alors, première position. Stand-by, sur une prise. Quoi? Chargé. Stand-by, silence, s'il vous plaît. Commence à faire le silence. Silence, s'il vous plaît. Allez, Martin. Stéphane, oui. J'attends ton cue. 3, 2, 1, action. On bouge pour ça. Ça va? C'est bon? Tout est raccord ici. Le sang qui est sur les murs, on fait attention à ça. Ça reste comme ça jusqu'à la fin de ce show-là. On nettoie le plancher au retour. On nettoie l'entour. Et au retour, on est side shot comme ça sur les squibs pour retour du lunge. Voyez-vous. J'ai aucun problème avec le fait que ce soit extrêmement violent. Pour moi, quand une femme avec un fusil de chasse débarque dans une maison pour se venger et on va dire simplement exécuter toute une famille, ça ne peut pas être soft, tu vois. Ou alors c'est un film pas d'horreur et on le montre pas et c'est simplement suggéré. Mais quand la violence est justifiée, j'ai absolument aucun problème avec. Si tu veux, la demande de Pascal, en gros, ça a été de pour chaque scène, imaginer chaque mouvement, chaque action, on va dire, de la prendre comme base et de, par des petits détails ou par des changements minimes, de la rendre encore plus atroce, avec toujours derrière cet impératif de crédibilité. C'est-à-dire pas de réaction surdimensionnée par rapport à ce qu'on... Excuse-moi. Pas de réaction surdimensionnée par rapport à ce qu'on pourrait trouver dans d'autres films. Donc voilà, en gros, ça a été ça, si tu veux. Le travail de base était en fait un travail de préparation, puisque je devais multiplier par deux cette violence et cette horreur. Puisque Pascal a une idée très précise de ce qui est assez et de ce qui est trop, tu vois. Donc il fallait trouver entre les deux. Caméra à l'épaule, les amis, on s'installe. Pardon. Fait que Nathalie, tu vas pas plus loin que ça avec ta caméra. Alors, action, les mecs. Dégage, go. Voilà. C'est mieux, ça. Et la petite avant. C'est mieux, ça. Attends un peu plus, Juliette. T'attends que ta mère soit vraiment au sol. Oui. Naturellement, tu regardes d'abord ta mère, tu mets quand même quelques secondes pour voir ce qui se passe, quoi. D'accord? Ça marche? Je préfère ce timing-là. Hein. Ok, Patricia, je préfère que ce soit moins. Regarde-moi, ça m'est égal. Tu te fies par rapport au bang ou tu te fies par rapport au fait que je suis là. Quand il y a action, c'est action. Bang! C'est que je suis là. Quand t'es par. Quand je suis perpendiculaire à toi, oui. Et quand je suis. Tu peux bouger un peu le bout du canon, genre. Hein. Tu vois pas. C'est pas une tireuse d'élite, d'accord? Ouais. C'est cool. Et 3, 2, 1, action! Tournez juste les cartouches, Julien. Non, tournez les nouvelles. Ok, coupe fort, recherche de l'homme. Lisette, je s'apprête à tourner. Son master, quand elle rentre dans la maison, elle était à tuer. Je vais la faire encore un poil plus vite, Mylène. Encore un poil plus vite, plus nerveux. Et. Action! Plus vite, allez! La mer!
Avance, avance, avance. Même si tu rates tes cartouches, avance, avance. Le frère, top. Voilà. Nathalie, Michel. En France, la plupart des films, c'est une fille comme moi, de mon âge, joue très facilement des filles un peu mignonnes, un peu là, qui sont de passage sur le film, qui servent l'acteur principal, ou une fille transie d'amour, ou tu vois une fille en pleurs en attente chez elle, au téléphone, en train d'attendre que le mec l'appelle. Mais il y a rarement une fille, une héroïne, une vraie héroïne, parce que Ducie reste une héroïne. Elle est là avec son flingue, elle avance, elle est déterminée, elle a des ongles. Elle veut se sortir de la merde dans laquelle elle est. Assieds-toi. T'as quel âge ? J'ai 18 ans. Ça, on s'en fout. Tu sais ce qu'ils ont fait, tes parents ? Hein ? Bouge comme ça. J'attends. Ouais, t'attends. Ouais. Et quand tu veux, tu tires. Ok. Bon, je tire. J'ai pas d'hésitation après. J'attends comme ça. And lui, il va partir. Okay. Il va par contre la porte. Ouais, ouais. Ok. Et alors? Ouais, ouais. Il s'en... Voilà. Je fais une sortie de champ. Non, après, t'as un long moment où tu regardes. D'accord? Le jour va s'en occuper. Je ne veux pas que tu regardes le jeu là maintenant. Tout de suite, ça va rentrer le cadre, elle est bien. Non, moi, ça m'intéresse. Tu le regardes un moment. Ouais. Et ensuite, tu prends la décision d'aller tuer la petite. Mais c'est pas une décision déterminée, c'est raccord avec ce qu'on a fait. Quand tu reviens ensuite dans le couloir, où t'es lasse, où tu ouvres les portes, tu sais que tu as. T'en as encore une affaire. Et tu sais, t'as aucun doute sur le fait que tu vas le faire. Puis j'avais envie d'avoir un tournage plus compliqué. Plus difficile, c'est pas facile là au rapport même que j'ai avec le réalisateur. Le réalisateur est quelqu'un qui extrait, qui veut prendre un maximum, qui est normal. Comme il a un caractère aussi mauvais que le mien, on sait, j'ai énormément d'admiration pour lui, énormément de respect, mais ça peut aussi être dans le conflit. Mais c'est passionnant. Je découvre mon métier. Avec ces moments de joie et puis ces batteries. C'est très bien. Non ! Arrête ! Arrête ici !
on t'a dit que t'étais hors champ. T'es hors cadre. Elle t'a touché? Oui, c'est bon, t'es sonné, t'as battu. On met pas une protection pour Gaël quand t'es au sol et l'entrée quand les coups sont finis. Hein? On va faire ça. Tu vas taper. C'est très difficile d'être objectif et de pas le taper dessus. Je sais. Tu comprends? Ouais. Donc là, je suis plus dans le contrôle pour pas me faire mal. Mais si, sur le contre-champ, je vais pleurer. Tu vois ce que je veux dire? Oui, si je commence à rentrer dans un état. Il faut juste que tu joues raccord, sinon je peux pas monter. Donc si tu me donnes un champ bien joué, un contre-champ mal joué. C'est pas mal joué, c'est plus de l'action et c'est plus des actions d'action. De marteau. Là. Le relevé et le retournement, c'est pas l'action. T'es plein cadre, face, tu l'as fait deux fois. Ça, et ça marche pas. C'est... Là, t'es face à la fin du plan, tu vois bien, tu vas voir la caméra, t'es pleine face. Derrière les cheveux, t'es pleine face. Donc quand t'es crispé et que tu ressens rien, je te dis, ça marche pas, tu pleures en fait. Tu vois ce que je veux dire? Comment passer, mais... Et même tout est... Le relevé et tout, je le sens. Je ressens un relevé mécanique d'un relevé senti, je le sens. Je ne sais pas pourquoi, comment je le sais. C'est la tête du côté de même, parce qu'elle, elle a sa prothèse comme sur le dessus. Ça va-tu marcher? Ben quoi tu fais quand tu normal. Mixes? Tu mixes-tu? Genre, mettons, on va voir la mère avec sa vraie, la Patricia, puis tout ça, avec son vrai truc. Puis c'est quoi, tu mixes les deux ensemble? Ben, en fait, normalement, la mère, avant ce plan-là, il n'y a pas de prothèse. Parce que ça va donner le coup encore. Okay. Fait que ça va être la vraie actrice qui va essayer de se relever, puis qui va tenir. Là, les coups dans le fond vont se donner sur le demi, ils ne donneront pas sur... Ouais, non, c'est bien. Ouais. On peut juste baisser le temps un petit peu. Va toucher un peu la position. S'il vous plaît. Ouais. Ce qui serait bien, c'est d'avoir le vêtement. Et alors, idéalement, ce qu'on pourrait faire, si vous aviez l'angle de prise de vue, c'est qu'on pourrait avoir finalement le cadré. C'est ça, là. D'accord. On est dans le dos de Millet, dans le groupe basé. D'accord. T'es vraiment derrière parce que la zone d'impact, elle est là. Bah, on va derrière deux caméras, de toute façon. Ouais, on est au-dessus derrière. D'accord. Le truc qui va être intéressant, en fait, visuellement, c'est quand ça va exploser ici, ça va se mettre à tourner par là. Alors ça, c'est pas cet axe-là. Ah d'accord, tu vas en faire plus. Ouais. D'accord. Pour avoir les vêtements. Vêtements de la mer. Donc ça, il faut que ça marche. Hein. Les deux caméras cassées. Hein? Oui. Et... Action, Mylène! Ça? Ouais. Oui, tu sors, Mylène. Je fais quoi? Tu te redresses, tu fais comme tout à l'heure. Je retape? Non, tu ressors, tu sors. Tu sors, car c'est pas mal. Tu relèves. Tape de fin. Les effets, ça n'a pas marché. Le tournage de Martyr a été assez difficile. Autant j'avais l'impression que mon premier film, Saint-Ange, était difficile, autant aujourd'hui je réalise à quel point j'étais un enfant gâté pourri qui avait à l'époque un beau budget pour un premier film. Parce que je fais Martyr avec la moitié d'argent que j'avais pour faire mon premier film. Donc en fait, c'est une sorte de premier film à l'envers. J'ai l'impression de commencer un premier film en faisant mon deuxième. J'ai eu l'impression au fond que le plateau était trop gros par rapport à l'idée que j'avais du système de tournage. Et donc j'ai toujours un peu l'impression de ramer, de courir après quelque chose qui était déjà perdu. Alors en même temps, j'ai l'impression que ça donnera sans doute au film son énergie. Quelque chose de... un truc organique, une organicité, en gros, qui est le résumé de tout ce que j'ai pas pu faire. Et j'ai l'impression que travailler comme ça à l'instinct, à la survie, ça crée quelque chose d'autre. Sauf qu'aujourd'hui, comme je suis encore en tournage, j'ai pas le recul du tout nécessaire, j'ai pas vraiment commencé le montage, je ne peux qu'avoir des doutes, des inquiétudes, des terreurs, et je sais pas si tout ça va fonctionner.
Mais disons que moi, je suis très râleur de nature. J'ai une énergie plutôt négative quand je travaille, c'est-à-dire que mon énergie à moi, mon adrénaline à moi, c'est plutôt de râler, plutôt de ne pas être content que l'inverse. Donc ça combiné à des difficultés réelles font que ça a été un tournage assez pénible. J'ai pris quelques cheveux blancs mais c'est un sentiment très très contradictoire de faire un film. C'est-à-dire que je sais très bien que dans quelques jours, quand j'aurai fini le tournage, j'aurai une mélancolie, une nostalgie de cette expérience énorme, alors que tandis que je la vivais en direct, je la détestais. C'est la dialectique. Je pense qu'il y a beaucoup de metteurs en scène qui ressentent ça. Cette espèce de détestation matinée de passion pour le tournage proprement dit. Il y a quelque chose d'assez cafardeux dans toute la post-production. On a beau dire que c'est le moment le plus tranquille, le plus cool, on est le plus détendu, c'est vrai. Et à la fois, ça aussi quelque chose de cafardeux parce qu'il n'y a pas cette espèce d'énergie, de sentiment d'être vivant qu'on a quand on est sur un plateau. Mais ce sentiment d'être vivant à 1000%, moi je trouve que ça brûle littéralement l'intérieur. C'est un truc qui brûle votre corps. Moi j'ai l'impression de prendre 10 ans. Enfin, c'est que mon deuxième film, j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans à chaque tournage. Dis donc, je sais que je suis obsessionnel. Demain, on fait le blue screen de la mer. Voilà. Donc moi, je dis un truc. C'est Mylène en blue screen qui tape sur le mannequin tête en plate. Qu'est-ce qui nous empêche, dans exactement le même setup, puisque c'est la même lumière à corps, de enlever le truc vert et on te ramène une tête. Rien n'empêche, que je viens d'apprendre quand on est blue screen demain. Il y a 3 minutes. Voilà. Donc on peut repartir à l'atelier, refabriquer une tête et te l'amener demain et faire les deux trucs. Mm-hmm. Bah, sois joyeux. Et ça ne foirera pas. Voilà, c'est bon. Il oublie de dire que c'est des plans qu'on aurait dû faire aujourd'hui et qui n'ont pas marché. Il oublie de dire que les green screens des coups de marteau sur la tête en CG auraient dû être faits aujourd'hui et que ça n'a pas marché. Enfin, que c'est qu'on n'a pas le temps de les faire et que ce qui est pour lui une bonne nouvelle est pour moi une nouvelle tout à fait relative. Ce que je voulais te dire, Isabelle, c'est que là, donc, on va essayer des lentilles. Donc tu vas voir, c'est des lentilles très très épaisses et très grosses. D'accord. C'est très désagréable. Attention, tu vas penser de ça. Non, je suis là, flatté. Non, ouais. Ah, merde. J'avais même pas vu. D'accord. Donc t'inquiète pas, le truc qui est important, simplement, c'est qu'une fois que tu as des lentilles dans les yeux, le fait que tu que ça soit déplaisant, c'est normal. La sensation sur laquelle il faut que tu te concentres, c'est que ça ne te brûle pas trop. Si tu as vraiment l'impression que ça brûle énormément, c'est qu'il doit rester du liquide de rinçage. Et surtout, que tu n'aies pas l'impression qu'il y a du sable à la surface des yeux. Parce que si c'est ça, ce qui arrive des fois, c'est que... Il y a une poussière entre la lentille. Voilà. Il suffit qu'il y ait simplement un cil coincé entre les... Et le contact avec l'œil, c'est insupportable. Voilà. Mais après, tu verras le... Oui, si la douleur diminue dans 5-10 minutes, c'est ça. Normal. Ouais. Et moi, j'ai fait un film, je viens de faire un film avec ce type de lentilles. Le comédien les a portés tous les jours. Les 4-5 premiers jours, c'était très difficile pour lui. C'était très dur au départ de les mettre. Des fois, on mettait 10 minutes, un quart d'heure. Et à la fin, il se les mettait tout seul, cloque, il n'y avait plus aucun problème. Alors, l'inspiration pour la créature et pour la supplicier, ça a été très très long, en fait, la maturation de tout ça, puisque Pascal, comme pas mal de metteurs en scène, ne savait pas exactement ce qu'il voulait, mais il savait ce qu'il ne voulait pas. Et donc, je dirais que le plus gros travail, ça n'a pas été vraiment la fabrication, l'élaboration des maquillages physiquement, ça a été de comprendre ce que Pascal voulait. Et grosso modo, je me suis rendu compte au bout d'un moment que lui voulait tendre vers quelque chose d'assez réaliste. C'est-à-dire qu'il voulait surtout pas tomber dans le côté monstre à l'américaine fantastique. En fait, il voulait des créatures assez simples. Et aussi bien la supplicier que la créature sont finalement des maquillages assez épurés qui, en tirant un peu sur la corde, pourrait presque être réaliste. C'est-à-dire, la créature pourrait presque être réaliste, pourrait être quelqu'un... On a principalement retouché sa cage thoracique pour lui donner l'impression qu'elle était un peu maigre, enfin normalement maigre, mais sinon le reste des blessures, des choses qu'elle a sur le corps, sont des choses réalistes qui pourraient arriver dans la vie, puisqu'elle est censée être la victime de la secte. Et donc voilà, et à partir du moment où on a tendu dans cette direction-là, qui paradoxalement était de plus en plus simple, au niveau en tout cas du design des créatures, plus Pascal a été content. Et même carrément sur la créature, à la fin, on lui faisait un maquillage beauté
au niveau du visage. Son visage est quasiment pas touché. Elle a des toutes petites pommettes pour lui creuser un peu les joues qu'on voit de temps en temps en fonction de l'incidence de la lumière. Mais sinon, c'est quelqu'un de normal avec simplement les marques de ses sévices, les cicatrices et à part la grosse cage thoracique très très maigre et la colonne vertébrale saillante, osseuse, qui était la chose principale que voulait Pascal, qui était lié à des images qu'il avait de gens anorexiques et de la personne qui a je sais plus quelle maladie dans le cimetière, en fait, la sœur qui est enfermée au grenier et qui est comme ça toute osseuse. Voilà, c'était les références de base. Alors maintenant je vais te montrer. Le premier. Pas le premier. Arrête, regarde pas, ferme les yeux, ça j'aime pas. Je peux pas bouffer là, c'est pas possible. Oulala. J'ai vu un truc horrible. Voilà. Ça marche, putain. Oui, c'est un premier essai. Il y a beaucoup plus. Tous les endroits où il n'y a pas assez de cicatrices, on va rajouter. Et on va les faire plus sombres, les cicatrices. Et là, c'est un. Cet œil. Ouais, c'est la pire. Il marche. Oh là là. La pire lumière qui soit. Hein. Tu vois les raccords protés et tout, tu verras évidemment rien. Rien décalé de contraste. Tu vois, là, on commence à discuter un nouvel contraste. Voilà. C'est effrayant. Quand ces mouvements, pas naturels, c'est terrible. C'est ça qui t'attaque depuis 15 ans, tu peux imaginer. C'est terrible. Voilà. Tu m'attaques ici sur le lit. Tu es en train de surélever un peu le lit pour t'aider à faire une position plus gracieuse et avoir plus de choix. Au-dessus de toi, c'est le point de vue de Lucie qui te regarde. Et tu vas apparaître à moins de 10 ans. Tu vas rentrer sous la. Il va rentrer sous le lit. Absolument. Et donc là, je surélever Gaël, ça m'a. Et voilà. J'y vais là-bas. Allez. On est en train de faire le setup. Si tu vas là-bas si tu veux, mais on est en train de faire le setup. Et tu vas faire un peu la lumière. Tu fais rien là? Non, 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 j'ai pas besoin de. Non, je te le dis. Regarde, le dentier n'est pas fini. Regarde, ferme la bouche par rapport à la merde, celui avant. La bouche, prends ça. Prends le. Putain, c'est bien. Non, mais après, on va casser des dents et tout ça, mais ça te va. Hein. Moi, j'aime, je trouve ça. D'accord. Hein, ça rajoute un côté torturé. J'adore. D'accord. C'est ce que je voulais vérifier. Ouais, c'est vachement bien. Non, mais là, c'est parce que j'ai une marche sur le pied. T'es d'accord? Ouais. La seule problématique que j'ai, c'est d'être dans son dos quand elle est en train de montrer le sang. Parce que mon idée, c'est pas de la faire se retourner devant la caméra et je parce que le spectateur va s'y attendre. C'est qu'on a un très long plan comme ça, on est le dos, c'est presque interminable. Et au moment. Au moment où elle se retourne, en fait, je lui laisse pas le temps de se retourner. C'est-à-dire que la créature va attaquer plutôt que le spectateur en regardant le plan en salle, le sentira qu'elle va l'attaquer, tu vois, le contre-temps. Donc, on lui laisse pas le temps de se retourner face caméra, alors que tout annonce qu'elle va se retourner face caméra. Au moment où elle est comme ça, ça tombe. Et là, je vais finir. Ouais. Et là on tourne. Non, tu vois, moi, c'est la seule progressive de mise en scène. Le découpage avant, c'est le moins tu m'en donnes, je suis content pour le temps passé et pour le. L'organicité de la séquence, et j'ai aucun problème. Cette espèce de chaos et de au fond de désorganisation à peu près totale qu'il y a eu sur ce plateau pendant 40 jours, c'est vrai qu'au départ je l'ai plus ou moins consciemment initié parce que contrairement à mon film précédent, je n'ai pas storyboardé le film, j'ai pas préparé les axes, je suis arrivé un peu assez. Non pas vierge, mais avec le sentiment d'avoir envie que le film se construise sous mes yeux en direct. Parce que je voulais artistiquement donner l'impression que les personnages du film vivaient ce qu'ils vivaient en direct. Autant mon premier film était excessif par sa volonté de maîtrise, et qui d'ailleurs conférait une espèce de froideur un peu théorique, autant j'ai vraiment voulu répondre aux critiques qui m'ont été faites en me remettant moi-même en question, en allant vers mes peurs. Et j'ai, en fait, non pas sous-préparé le film, parce que j'avais une idée très précise du film que je voulais faire, mais je me suis débrouillé d'une manière pratique pour découvrir le film que je faisais au moment où je le faisais. Ce qu'on va faire certainement, c'est que le truc va démarrer comme ça. En répétition, tu sais, quand on est là, tu vas pousser de ce côté-là, tu sais. On va peut-être faire plutôt l'inverse, tu vas être comme ça, au lieu de la pousser par là, tu vas la pousser par là. Ça ne change rien. Ça ne change rien à part de l'autre côté. Ça va être vachement découpé. Bah, attends, ça change tout. Blague. Je change pas, regarde, fais-moi les coups, comme ça, comme ça, comme ça, avant tu poussais comme ça, là il t'attrapait le cheveu, et poum,
maintenant de côté. Hop, t'attrapes là, tu vas de ce côté-là, tu t'attrapes là. Boum, ça change un peu. Au lieu d'aller par là, on va par là. Parce qu'on va par là, pourquoi? Parce que la porte, elle est là-bas. Et que si tu pousses la créature, c'est pour t'échapper par la porte, tu vois. Si tu vas pas la pousser dans la direction de ton issue. Et la main, je la laisse là ou pas? Non, je la baisse. Non, d'accord. Dans le champ, tu la baisses. Tu as encore poussé, là. Là, ça va? Voilà, ça fait peur. Ok, d'accord. Au moment où tu baisses la tête, genre t'as compris qu'elle est derrière, tu te retournes, tu commences à tourner lentement. Là! D'accord. Ok, je savais pas que t'allais être là. Vas-y. Ça me permet de voir un peu son visage. Ok, ben, gars, j'allais chercher son lit, deux autres noirs. Ils sont vendus. Donnez-moi 2 secondes. Là, Stéphane. Donc, sois pas molle, parce que sinon, tu vas te prendre un coup monstrueux dans ta colonne vertébrale. Donc, tu prends ton équipe là, tu sais qu'il y a des moments là. Tu jettes un peu mal. Pareil. Faut pas que ce soit parce que ce soit là, tu descends dans la poussière. Tu rentres dedans, pareil que moi. Pas moi. Je sais que moi je vais le faire un peu à la mandiette avec elle. Si tu veux, on le fait 2 fois peut-être. Une pour sa réaction et une avec elle qui. Elle ne veut pas s'en mettre sur elle comme ça. Elle n'a pas, moi je ne peux pas faire 2 fois. C'est soit elle se retourne et c'est Mylène, soit elle se retourne pas. C'est pas 2 fois, c'est un choix. Définitif. Tu as choisi. Ah, moi, je préfère Mylène. Okay, non, alors, parce que je préfère la voir un peu. Mais je rentre, il m'a dit, c'est moi, d'accord? Tu lui rentres dedans comme si elle avait tué. Hé, 2 mois de formation à Paris, Mylène. Hein. C'est de la française. Hein. C'est pas un bras d'honneur, c'est des muscles. C'est pareil, hein. Elle a pas pris le yen pour Florent. Hein. Nathalie et André, secouez-moi bien la caméra quand elle remanche, quand elle atterrit comme sur Gaëlle. Et... Action, Mylène! Parmi les difficultés du film, la plus choquante, la plus inattendue, la plus brutale a été évidemment sans conteste l'accident de l'actrice principale, Morgane Alaoui, qui s'est cassé 3 os alors qu'on en est arrivé à peu près à 2/3 du film. Et évidemment, elle a dans le film plein de cascades physiques, de choses relativement dangereuses à faire qu'elle a faites elle-même. Et évidemment, c'est pas du tout sur ces scènes-là qu'elle s'est fait mal, c'est en gros comme...
aller à la boulangerie avec sa voiture sur un trajet qu'on fait tous les jours et c'est là qu'on a l'accident, bah, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en gros, c'était vraiment un moment totalement anti-dramatique du plateau, totalement sécuritaire, enfin, en tout cas en théorie, que l'accident s'est produit. C'est-à-dire qu'on allait tourner une scène très simple où elle descendait un escalier secret dans la maison qui mène au premier sous-sol. Et le, pour créer le faux palier en haut des escaliers, on avait, ben le palier était surélevé. Et puis, se concentrant juste avant la prise, la caméra tournée, on avait dit moteur. Au moment de dire action, j'entends un énorme boom, mais énorme. Hein. Je sens tout de suite que c'est pas juste un projo qui est tombé dans le champ. Je sens qu'il y a un truc qui va pas bien. Je n'ai aucune information en direct parce que je suis loin derrière le moniteur. Que Morgane n'est pas encore rentrée dans le champ, que c'est avant de rentrer dans le champ devant la caméra que l'accident s'est produit. J'ai fait le pas de trop pour me concentrer, en fait. J'ai marché sur une plateforme qui n'était ni protégée, ni... personne ne savait, je ne savais pas du tout qu'elle n'était pas soutenue. Et dès que j'ai mis le pied dessus, en fait, elle s'est effondrée et j'ai fait une chute d'à peu près 2,30 m. Et je suis tombée sur mon côté droit. Et comme je ne m'y attendais pas du tout, j'étais concentrée, je ne m'y attendais pas du tout. Je n'ai pas pu retomber ou sur mes pieds ou en arrière. Je suis vraiment tombée directement sur le sol. Et sur le moment, avec l'adrénaline, etc., je n'ai pas vraiment senti la douleur. Après, on est allé à l'hôpital. Et voilà, 3 fractures. Une fois que vous êtes sortie de l'inquiétude du pronostic vital de votre comédienne, vous avez, d'une manière horriblement froide, vous pensez à votre fille et vous dites « Ok, en fait, on va s'arrêter. » Et là, tout est... C'est très irréel, quoi. Le film s'arrête alors qu'on a un tir à fournir, qu'on est sur la dernière ligne droite. Par rapport à la PFTQ, on est en cas de force majeure, donc en sinistre. On aurait pu ne pas tourner aujourd'hui, mais j'ai tenu à ce qu'on tourne aujourd'hui. On va tourner demain à Saint-Sauveur, parce que je tiens compte, et Pascal aussi, on tourne à Saint-Sauveur, on va tourner jeudi, mercredi, à Saint-Sauveur aussi, parce qu'on a des choses à tourner, même ce sera des petites journées, puisqu'il y avait des journées où Morgane était là tous les jours, en fait, on va recoller les morceaux comme on peut. On va possiblement tourner jeudi des choses, pareil, en équipe peut-être un peu réduite, qui était du Super 8 qu'on espérait faire tout au bout du tournage, mais on avait problème de présence comédien, le docteur notamment qui était aux États-Unis et tout, donc on va essayer de recoller les morceaux, et au plus tard, on va s'arrêter jeudi. Donc tu as été immobilisée pendant quoi ? J'étais immobilisée pendant un mois au lit, pour la jambe. Parce qu'en fait, l'endroit où je m'étais fracturée, ça ne se plâtre pas. Il fallait juste ne pas bouger. Donc on est rentrés, je suis rentrée, j'ai été à Paris. Un mois au lit à Paris. Et au bout d'un mois, je suis retournée faire des radios et tout s'était remis en place. Et je suis revenue tirer les corps dans la boue. Mais c'était, j'espère, enfin, ça arrive pas souvent quand même sur un film que ça s'arrête. Ça arrive de temps en temps, mais pas souvent. Et quand vous êtes effectivement dans une économie déjà difficile, un tournage compliqué, vous vous dites qu'il y a, parfois vous vous dites que la mauvaise fée s'est penchée sur le tournage. Mais ça fait surtout vivre des moments très surréels, très, très contradictoires, ou un milliard de sentiments opposés, vous traverse, quoi. Encore une fois, j'ai l'impression que ce film, c'est mon premier film. Quoi. J'ai l'impression que c'est un fist à sec. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression qu'on m'avait pas prévenu. Donc, qu'est-ce que c'est que ça, Benoît ? Ça, c'est le costume décorché de Morgane pour la fin du film. Et aujourd'hui, on va faire le premier essayage. Enfin, on a déjà fait un, mais là, le costume a été recousu parce qu'il était un peu trop grand. On voit les coutures. Voilà, et on attend Morgane pour la mettre dans le costume. Et après, il y aura des prothèses qui vont venir sur le bout des mains, le bout des pieds et le visage pour donner l'impression qu'elle est complètement écorchée. Est-ce que l'accident de Morgane a eu une incidence sur le... Bah oui, parce qu'en fait, on était en train de fabriquer ça au moment où elle a eu son accident, donc tout a été arrêté. Et puis là, on est en train de reprendre, et puis comme le tournage continue aussi, tout était un peu précipité. Donc voilà, ça se fait en flux tendu. On va l'essayer et puis on tourne avec ça la semaine prochaine. Il va falloir le peindre ce week-end. Il va falloir assembler les différentes pièces qui manquent. Voilà. La magie du cinéma. Enfin, si ça marche d'ailleurs. Ok. Donc, pas de résistance.
ça fait mal. Si, si elle te pique, si elle te tire un peu les cheveux, tu n'as pas de résistance. D'une certaine manière, tu n'arrives pas à croire à ce que tu fais. Mais le maître mot, c'est l'éducation. Thank you very much. You're so helpful. Vous voyez mes amis? Oui, c'est un dernier. Action. Désinfecte avec ça. Ok, on check la grille. C'est pas qu'elle est propre. Ça, on dirait une coupe plutôt de l'ingag. Ça y va, c'est bien. Bon, mic shoot, en bas. Mic shoot. Action! Pardon. C'était bien. Comme 7. C'est magnifique, c'est le meilleur axe. Et. Envoie-la bien sur le sang. Hein. Je suis fermé. Envoie-toi bien sur le sang. Et action. Ça va, on peut aller ? Ouais, c'est bon. Okay. C'est bon ? Okay. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est un check. On check la game. Et dès qu'on se... On est pour les mains. Ah, c'est vrai. À chaque fois que j'ai un coup qui est pas bon, on refait. Ça va être, ça va dégager. C'est la première fois que je suis une des scènes de baston, j'adore. Donc là, je pense que je vais rien faire que ça. C'est encore Jeanne d'Arc. Non, c'est pas encore Jeanne d'Arc. Hein. Non, mais regarde bien. Ah, c'est okay. Ah, ça peut-être plus, ouais. Si, ça oui. Ça, je pense que ça va aller. Parce que oui? Le blanc de son cuir chevelu commence à apparaître. Et ah, ok, c'est ça que tu veux. Ouais, c'est ça que je veux. Stéphane, ça va pour toi ? On s'en fait une sortie de sécurité. On va la refaire, 8-7. Donc j'en essaie de faire une version avec la bouche entrouverte pour respirer. J'avais fait des maquillages en silicone. Et à chaque fois que, avant, si tu veux, comme ça se décollait toujours au niveau de la bouche, ouais. Je passais toujours les rappeurs à l'intérieur de la bouche. Ouais. Et évidemment, ça décollait tout le temps, et les comédiens étaient toujours obligés de parler comme ça, mais au moins, je ne voyais pas les rappeurs. Bien sûr, un truc que j'ai fait. Ça va, tu te sens bien là? T'as pas envie de tomber dans les pommes? Non. Ferme tes yeux, Morgane. Attendez, attendez deux secondes. Avant de coller ça, il faut vraiment vérifier par rapport au visage. Comme tout a rétréci, que c'est très short ici. C'est ça le problème. Quoi, c'est quoi? Non, mais c'est ça, c'est qu'on fait des beaux costumes et tout ça, puis on pense jamais aux détails pratiques. Elle peut pas pisser dans son costume. Mais pourquoi? Mais hier, j'ai proposé de mettre des ténards. T'as pas que ça déchire? Il y avait pas. Ouais. Pourquoi? Mais pourquoi tu le perces? Regarde, fais déjà un petit trou, une tête d'épingle pour rentrer ton ciseau après un coup qu'elle va l'avoir. Ou au moins être capable de rentrer un bâton de popsicle. C'est sûr que tu es au bon endroit, toi, tu n'es pas trop par en arrière, là? Ouais. Elle a dit qu'il y a un petit trou. Là, t'es trop par en arrière. Attends. Ben, dis-moi. Non, attends. T'es une femme. Ben oui. Tu sais, moi, j'ai jamais couché avec une fille, donc je sais ce qu'il y a uniquement dans les magazines. C'est pas du vrai, en passant. Bon, allez, tout... Hey, go, là. Oui, elle est aux toilettes. Oui, là, garde. Non, mais en plus. Donc, vous allez enlever le visage?
Bah ouais, je trouve ça moche en fait. Ouais. Le problème du visage, c'est qu'on, c'est comme la plupart des problèmes de tous ces films, hein, c'est que on n'a jamais testé le maquillage en fait. On l'a jamais vu complet. Et voilà, c'est des pièces qui sont sculptées séparément. Et je trouve que la sculpture fonctionne pas. En plus, on a un problème avec la mousse qui fait des plis absolument affreux. Et c'est laid. Et en plus, comme Morjane est plus mince naturellement, il y a un truc assez paradoxal. Morjane est plus mince naturellement. C'est plus joli. C'est quand même fou de lui coller un truc. Il a grossi. On n'a pas besoin de ça, quoi. Ça le dit ? Elle a dit babe. Et faire les plans de dos. Ferme les yeux, mon Ginny. Elle dit ça parce que, en hommage à George Miller, le petit cochon. C'est parce que je suis gros qu'elle dit ça. J'entends. Faire mes plans de dos comme ça dès que j'ai des coups de panique. On les filme de face. Dès que j'ai des coups de panique, on arrête le tournage. Et on appelle l'ambulance. Mais cette fois-ci, je t'accompagne pas à l'hôpital parce que je finis la vidéo. Ah non. Et je vais te coller un des fronts de. On te collera un des fronts de la créature, comme ça te cachera les sourcils. Bonjour, c'est qui ? Sarah. Bon, je te laisse toujours bien fermé. Ah ouais. Ouais. Voilà. Un bon Québécois, on dit tu cognes des clous. Est-ce que tu permets de manger? Je crois que ce ne sera pas difficile. Ça ira bien si tu jures, quand ça sera fini. Ça ira super bien. Tu m'auras jamais vu comme ça. J'aurai un tutu, je le sentais partout. Donc j'aurai les cheveux blonds, blonds, platine. On pose pas les autres vannes. Non. C'est Martyr, c'est à la différence de Saint-Ange, c'est pas un film postmoderne. C'est pas un film qui commente le cinéma, c'est pas un film qui commente le genre. C'est d'abord et avant tout un film de genre que je veux populaire, excitant, rebutant pour certains, évidemment insupportable pour d'autres, mais qui prenne, qui soit organique, viscéral, presque primitif. Il n'y a pas de commentaire. Je vais raconter mon histoire. Maintenant. Je m'interroge forcément moi-même sur le niveau de violence extrême du film. Des fois, je me dis, mais pourquoi t'as eu besoin pour ton deuxième film de faire ça? Et j'ai parfaitement conscience qu'il y a au moins deux ou trois films dans le film et que là où je m'attends, moi, c'est sur la transition entre les moments. Et je ne veux pas donner au spectateur le soin de réfléchir. Je veux qu'il soit tellement pris à la gorge par l'histoire et par le récit qu'il ait juste envie de tourner les pages du film, si je puis dire, comme on tourne les pages d'un livre qui vous lâche pas, quoi. Donc ça, c'est vraiment... Ça, c'est... En fait, c'est vraiment ça le projet de Martyr.